Coucou à tous. Alors, on est pour vous montrer comment on monte les amortisseurs sur le Team Asso. Alors, j'en ai déjà fait 3. Comme ça, je suis rodé. Mais je raconte pas trop de conneries. Donc, à savoir que dans ce kit, nous avons plusieurs hauteurs de coupelles qui sont fournies. Plus plusieurs hauteurs de chape d'amortisseur. Hein, plus ou moins 2 mm. Voilà. Donc, ce qui est quand même assez intéressant. Je suis même allé trop vite dans le montage avec vous. Voilà. Donc, on prend toujours cette petite pince qui est faite avec pour pouvoir mettre tac l'axe dedans. Pour montrer juste que globalement, voilà, la coupelle se visse, hein, se visse dans l'axe en titane drill. Ils me disent de mettre un petit peu de frein filet. On met une rondelle avant. Et c'est franchement, c'est super bien fini. Le paddy, c'est super bien fini. J'ai monté avant pour que qu'on prenne pas non plus 3 plombes à chaque fois. Hein. Ça peut aider. Alors, on aura le sandwich pour l'étanche à paille. On va se faire en arrière. Hein. Voilà. Et on va faire comme tout sur la notice au niveau des réglages. Alors, on a donc assemblé nos coupelles d'amorto, 2 trous, 1,6. Ils te disent de mettre la coupelle vers le haut quand tu visses. Donc ça, c'est bon. Ensuite, il te peut de... Ah, c'est ça, sa mère. Ils te mettent aussi des spacers. Tu vois? Non, ça c'est des rondelles, connard. Pardon. Ça, voilà, ils te mettent des petits spacers que tu peux mettre dans l'amorto pour limiter le débattement de tes amortos. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool, déjà. Il y a plein de petites choses qui te donnent comme ça, et ça fait une milliardième de réglages que tu peux faire. C'est assez fou, en fait, de penser qu'on puisse en être là en termes de spécificité et d'analyse de son pilotage et de ressenti de la voiture. C'est quand même assez fou, assez incroyable, je trouve ça. Joli petit corps amorto. Seul truc, il n'y a pas là exactement la même indemnisation sur l'avant et les arrières. Ouais, premier fashion fault de la part de Asso, tu vois, ça n'a pas rendu le même batch. Alors c'est peut-être pas le même acier, peut-être pas le même alu, pas la même durée d'anodisation, mais en tout cas sur les avant et les derrière, ça n'a pas donné la même chose. Ils sont plus clairs ceux de devant, tandis que ceux de derrière sont plus foncés. Peut-être que c'est fait exprès parce qu'ils se sont dit ouais, il y a bien des débiles qui vont renverser les avant et les arrière. Ouais, peut-être. On sait pas. Mais c'est possible, effectivement. Allez, on va chercher les joints. Voilà. Hop. Alors là, on est parti pour faire le sandwich. Alors le sandwich, il est donné par... Trac, tac. Ils te disent déjà de lubrifier. Alors ils te disent de green lime. Du lime vert qui doit être exprès fait pour étancher. Mais nous, on n'en a pas. C'est pas un pilon kit. On va mettre tout simplement une petite goutte d'huile d'amorto. Voilà. Alors, on a ici en fait des pièces qui ont des petites encoches qui vont aller se caler dans les trous externes et dans le trou interne vers le haut de l'amortisseur pour bien guider les choses. Donc là, tu vois, c'est un autre plastique et quand tu casses, ça permet d'évaporer quasiment propre. Oh, c'est cool, quasiment. Petit coup de papier de verre quand même, parce que comme on dit, c'est du quasiment. Puis là, vaut mieux que ce soit bien. Éviter les fuites. Tac, allez. Donc, ils nous disent de mettre. Déjà, on va prendre aussi ça, parce que ça, je l'oublie à chaque fois. Et ça, c'est sûr. Le petit joint qui se met ici. Voilà.
mets aussi un petit coup de... Un petit peu d'huile s'il faut. On n'est pas plus bête. Alors ça, ça va aller dos, face, contre terre. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bien rentré. Voilà. Ensuite, t'as failli faire une con, une cosse. Heureusement qu'elles ont collé tes coupelles. On met un joint. On met un spacer carré. Alors ça c'est étrange, pourquoi ils l'ont fait carré. Ça je sais pas. Ça c'est bizarre, dans un trou rond on met des trucs carrés. Oh. Il m'a sauvé, vous êtes des fois un peu fatigué, hein. Ah, ils vont nous dire, ouais, voilà, oui, voilà. Mais bon, dans un carré, dans un rond, hein. Et là, on le met vers le haut. Voilà, tout ça ne dépasse pas, t'as vu comme c'est beau. Il vient visser toujours ce beau bleu là, petit masseau par-dessus. Et normalement, tout s'aligne comme il faut les dents. Ensuite, glissons le piston. Bichette, calme-toi. Donc pareil, pour pas vu mes joints. Ils disent de mettre des green lines sur la partie filetée. Nous on n'en a pas, on va déjà faire tout simplement avec de l'huile à morteau. Une merveilleuse douceur. On ne sait rien, absolument rien. Alors on va glisser tout de suite. La rondelle, on glisse la rondelle, on glisse la rondelle. Ah, je mets un peu de musique, hein. Je suis désolé hein, pour ce, parce que bon, hein, quand même, ça passe un peu le temps. Je vous mettrai ça, de toute façon, c'est pas pour les 7 euros que reporte la chaîne, alors que je suis plus actif, hein, par mois, que je vais mourir. Donc, monétisons. Dès nous monétisons, parce que là franchement, il est 6h du matin, j'ai besoin d'un peu de musique. Ben ma peur pour les connaisseurs, ceux qui n'aiment pas, ben ils n'écoutent pas ce qu'ils disent. J'espère que c'est pas trop fort quand même pour vous. Mais... Pourquoi ça veut pas? Ah hein. Il aurait été le premier problème. Évidemment, ça va arriver avec votre... Voilà. Il va peut-être salter dans le filetage. Et tu visse cette façon d'aimer. T'as aussi sympathique que faire la mienne. Alors il y a une distance, mais on va déjà faire comme ça. Ah, ce qui est bien, c'est que là, il pense à tout. La vis est un tout petit peu plus grande que le cran de l'amortisseur. Comme ça, tu as plus facilement de préhension sur la partie rondelle. C'est bien ça, quand même. Il y a des choses qui sont pensées, des fois, il y a des choses qui sont un peu moins pensées. Là, on ne va pas non plus se coucher. On va prendre les plus 2 parce qu'ils te disent de mettre à l'avant et à l'arrière les longs. Donc, les cuivres, comment ça s'appelle? Les aglets. Yeah, mister. Et ma petite pince. Ma petite pince qu'on achète sur AliExpress. Très très pratique, ça évite de faire des arrêts maladie aux gens qui croient que quand on use une pince coupante, hein, c'est quand même plus simple. Et faut que je trouve le voilà. La pièce à coulisse. Donc ils nous disent que pour les arrières, il faut 35
D'accord, on est bien plus, on est bien moins, on est bien plus, pardon. Bon, Nico, tu vas y arriver quand même. Putain. Eh, si c'est pas du talent, ça quand même. Hein? Ça, c'est du talent. Non, ça faut le reconnaître. Il y a une marge de talent quand même. Le mec, ça y est, il n'en peut plus, on l'a perdu. Je ferai la pote pète après avec vous. Donc là, on en est au remplissage. Alors là, c'est un grand moment. Là, je ne vous cache pas. C'est un très très grand moment. C'est un très très grand moment. Il faut surtout pas que j'ai perdu la liste de purges. Parce que là, je l'ai dans le baba. Là, je l'ai dans le bébé. Ah non, il est là. Nicolas en PLS. Tac. Alors, comme d'hab, on met un petit peu. Alors, c'est la 30W avant arrière. On a besoin de WT. Hein. Tranquille. On met toujours un petit peu de liquide. Et on joue, on tourne. J'ai un petit peu bien ça. Bon, c'est la 30W hein, de toute façon. Voilà. On joue, on tourne dans un petit volume, comme ça s'évacue rapidement. En plus, c'est de la. C'est de la. Comment dire? C'est de l'acide liquide. Voilà. On en met. J'ai une connerie avant, c'est pour ça qu'il va te faire. qui va te faire augmenter ou pas le débattement. Hein. Mais je sais pas, écoute, ça rajoute une pré-contrainte, ça c'est sûr, vers le bas. Vu que t'es plus ou moins long, donc ton châssis va descendre plus. Ton longueur d'amorteau va être plus ou moins contrainte ou se déplacer. Donc oui, foncièrement, il va monter ou descendre ta caisse. Ouais. Forcément. Si t'es déjà au taquet où? Non, si je dis une connerie, dites-moi. Non mais regarde, le dépattement de malade qu'il pourrait avoir. Là, t'as avec les amorteaux. T'as vu ça? Truc de ouf. Tu pourrais avoir un dépattement de taré. À l'avant, c'est moindre. Mais tu perds au moins 1 ou 2 cm aussi. Ouais, même 2 cm. Tu pourrais avoir une machine de débattement de taré, taré. Truc de. Alors, tu pourrais un peu descendre encore pour gagner. Là, tu es au milieu, donc tu pourras un tout petit peu encore gagner le débattement. Mais de toute façon, tu peux pas aller au fond. Hein. Il n'y a pas, évidemment. Il n'y a pas le débattement avec le CVD. Il n'y a pas le débattement avec le CVD. Mais tu pourrais, là, t'as le débattement. Allez, on commence à rentrer dedans. Ouais, non, bah non, en fait, ils sont. C'est les gardants qui sont passés. Donc, laissez-moi monter le reste de mes amortis. Je vous montre comment ça fait joli à la fin. Donc voilà, c'est joli, c'est monté. Bah, le quink quink, ça va me saouler, mais bon, j'y peux rien. C'est pas moi qui choisis à faire des amortis à l'imitation, hein, les gars. Donc on est un peu plus rapide derrière et un peu plus souple. On est plus rapide devant, pardon, et un peu plus souple derrière. Il faudra voir avec les. Ouais, j'ai l'impression qu'on est plus dans l'arrière. Mais bon, on verra bien. Hein. En tout cas, ça fait une jolie quête avec les petits rappels de bleu. Allez, maintenant, installation, moteur et tout ce qui est électronique. A plus.